J'ai un micro sur moi. Hein, donc, je te rappelle après. Hein. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville de Léry. Vous me mettez quelques blancs? Non, contre blanc, quelques white, quelques blanco. Le voile restera pour moi et doit rester pour la République un combat, un combat, un combat. Tu m'enlèves ça? Donc lui, Manuel Valls dit Manuel que Valls dit les ministres ont le droit de porter leur kippa, c'est quand même avec fierté et doivent le... C'est contradictoire avec les valeurs de la République. Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Avec les lois de la République. Voilà. Mais donc lui qui parle de loi, lui qui parle de valeurs et compagnie, c'est le premier à ne pas les respecter. Que ce soit dans les chansons de rap, dans les films, dans le public, tout le monde a le droit d'insulter la France, pisser sur le drapeau. On dira que c'est de la liberté d'expression. Je pèserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Par contre, une fois qu'on touche une certaine communauté ou quoi, et il l'a dit lui-même, il en est éternellement lié par son épouse. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Quand même. Merde, quand même. Manu, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle, la quenelle. Toi aussi, ami journaliste. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? La quenelle, la quenelle. Quenelle marteau-piqueur, mon pote. Ah, vous voyez? Et voilà, la police qui filme, on sait pas pourquoi. Le rassemblement, c'est pour la quenelle. Donc, outre Dieudo, simplement la quenelle qu'il a engagée, qu'il a même pas créée concrètement, parce que c'est déjà quelque chose qui existe, et on donne ça, tu prends ça, c'est juste la symbolisation de ça. Et moi, je suis venu, par exemple, pour une histoire qui me tient énormément à cœur, étant donné que je suis lycéen. C'est deux lycéens qui sont fait expulser de leur lycée suite à donc, une photo publiée où ils ont une quenelle dans l'établissement. Et en fait, ça m'a excédé parce que j'ai pas compris qu'au nom d'un simple point de vue, donc d'une interprétation, parce que la quenelle, concrètement, la définition qu'on lui a donnée, c'est un point de vue défini par, on se demande qui, je sais pas, Manuel Valls, enfin voilà. Ce geste est un geste profondément antisémite. Et qu'on arrive à entraver à l'éducation de deux jeunes pour un point de vue. C'est quelque chose que je comprends pas, quoi. Au nom de rien que, bah, justement, les trois devises qu'il y a de la République, ça marche pas, quoi. La liberté, voilà, c'est pas, absolument pas un geste à connotation ségrégative, quoi que ce soit, c'est, voilà, c'est simplement ça. Au nom de l'étymologie des mots, ils ont défini que c'était un salut nazi inversé. Et inversé, ça signifie clairement le contraire, quoi. Donc le contraire d'un salut nazi inversé, ça serait justement l'opposition à ça, au communautarisme, quoi que ce soit. Ouais, c'est pas vrai. Quand tu prends une croix, le Christ, tu la retournes, c'est le satanisme. Donc là, si c'est vraiment un salut nazi inversé comme ils le disent, c'est mieux alors. Ce serait philosophique. Voilà, ça veut dire que c'est anti-nazi. Voilà. Même eux se contredisent. Voilà, mes grands-parents et arrière-grands-parents, et pourtant je suis pas français de souche, ils se sont battus contre Hitler. Mon grand-père, il a une croix de. Il a la croix du combattant. C'est la croix française, hein, c'est pas la croix de fer allemande, attention. Pourquoi, alors qu'un de mes grands-pères est mort dans cette guerre, pourquoi moi je serais contre son sacrifice, justement? Non? Ça, il le précise pas. Simplement, je vais finir par une petite phrase qui me tient à cœur, qui résume un peu la situation. C'est Voltaire qui a dit pour savoir qui tient le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. C'est juste ça. Simplement ça. Je pense que ça peut aider. Je pense que Johnny va finir comme Coluche. Grave. À mon avis. À mon avis. Donc voilà, soutien total. On est là. Soutien total, on est là, il n'y a pas de soucis, on quenélise. Tiens, regarde cette quenelle. Et on va queneliser jusqu'à la fin de notre life. Plus haut, toujours plus profond. Il y a plusieurs sortes de quenelles. T'as les petites, t'as les moyennes, t'as les grandes, t'as les tétés. Et là, nous, le public, on invente les quenelles, tu vois. Dieudo, on le traite de raciste, mais en attendant, il a rassemblé tout le monde. Les noirs, les arabes, les français, il y a même des juifs qui sont venus. Peace. Mais ça, c'est parlayé, donc peace. Soutien à Dieudo. La sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se
se glisse dans ton cul, la quenelle. François la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Amis, entendez-vous les mensonges et cette haine? Amis, entendez-vous les cris sourds des Français qu'on enchaîne? Quel que soit votre métier, ouvrier, nous, condamnés, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra à son tour la douleur de la lame. Politiciens, traîtres, chiens, nous sommes en croisade. Vous recevrez bientôt la colère du peuple, ses grenades. Voisins, bonnets rouges et non phrygiens, venez vite. L'ennemi, ce n'est pas la France, mais bien la République. Flanville, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Flanville, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Bernard, le sens-tu qui se glisse dans ton cul, le Talmud. Bernard, le sens-tu qui se glisse dans ton cul, le Talmud. République, le sens-tu bien profond dans ton cul, le Cotrique. République, le sens-tu bien profond dans ton cul, le Cotrique. République, le sens-tu bien profond, oui, dans ton cul, le Cotrique. République, le sens-tu bien profond, oui, dans ton cul, le Cotrique. Dieu d'eau, l'entends-tu ton soutien de la rue, la quenelle. Dieu d'eau, l'entends-tu ton soutien de la rue, la quenelle. Longue vie aux Français libres, oui à la contre-révolution, à l'équilibre. Longue vie à la chrétienté française, son histoire qui rend fort et apaise. Longue vie à la famille traditionnelle, inculquant les valeurs solennelles. Longue vie à l'humour et soutien à Dieudonné. Roulement.